Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Vous savez que moi je termine la semaine avec vous le vendredi, donc on est vendredi 15 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, j'ai pigé le changement. Alors le changement, il est propice à une transformation, un nouveau départ, une renaissance, un renouveau, peut-être une transition, n'est-ce pas? En tout cas, elle indique qu'il est temps pour certains d'entre vous, de faire un saut courageux dans l'inconnu. Sortir de votre zone de confort, est-ce que ça vous parle? Une nouvelle aventure vous attend sur votre chemin de vie. Alors, elle peut être sentimentale, professionnelle, ou elle peut être reliée à des projets personnels. Ou à un de vos projets. Un changement important est en train de se produire à l'intérieur de vous et vous le ressentez, n'est-ce pas? Mais vous avez peur et vos peurs vous stagnent. Et c'est pour ça qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort. On vous demande, d'avancer dans cette belle sagesse, et d'avancer avec une belle réflexion. Dites-vous bien que ce changement sera salutaire, ça vous apportera beaucoup de choses, que ça soit au point de vue professionnel, ça peut être vous pourriez changer d'endroit, vous pourriez changer d'endroit, de lieu de ville. Vous pourriez monter en grade, vous pourriez peut-être complètement changer de tout au tout professionnellement. Vous pourriez, au point de vue sentimental, déménager avec votre compagne, ou prendre de la distance, ou encore, il va peut-être avoir une bonne nouvelle pour vous deux. En tous les cas, on vous invite à accueillir ce changement et le renouveau. Encore une fois, ça sera salutaire. Et vous savez, votre guidance intérieure, elle vous aidera à vous détacher d'une partie de votre passé pour aller vers le futur. Le changement, ça veut dire, c'est aussi laisser derrière soi, n'est-ce pas, des choses qui n'ont plus besoin d'être. Faire un lâcher-prise sur certaines choses. Vous seul savez ce que vous vivez présentement. Donc c'est une carte qui vous dit que le changement est là et il est bénéfique pour vous. Donc peut-être faire un pas en avant et fermer des portes pour pouvoir ouvrir d'autres portes, sortir de votre zone de confort. Voilà le message d'aujourd'hui. Encore une fois, dans tous les domaines, ça parle dans tous les domaines. Je termine avec le petit message de la sagesse Ho'oponopono. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure.
aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation, et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Eh bien voilà, donc bienvenue au changement, n'est-ce pas? Voilà, n'ayez pas peur, c'est pour votre bien si cette carte sort et qu'on vous invite à faire un changement. Ce n'est pas pour rien, l'univers, il sait, vous savez, ce qui est bien pour vous. Et il va peut-être vous secouer pour que vous fassiez ce changement. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, dans l'amour avec vos proches, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, la tolérance, et puis on se retrouve eh bien prochainement pour une nouvelle capsule. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très vite.